on se retrouve pour le canyon. Genre, à chaque fois, j'ai envie de dire la vallée des cendres. Je pense qu'en français, la vallée des cendres, ça sonne un peu mieux. Non? Non, ok. Canyon des cendres. Donc, nous sommes arrivés dans cette nouvelle zone. Alors, nous sommes arrivés dans cette nouvelle zone. Regardez l'épisode précédent si vous voulez savoir comment y aller. En parlant de ça. Apparemment, il y aurait. Parce que j'ai regardé un peu les commentaires sur les dernières vidéos que j'ai postées sur The Long Dark. Apparemment, il y aurait deux entrées depuis le Mont Timberwolf. Donc, nous, on en a trouvé une qui était assez simple. Donc, voilà. C'est possible qu'on trouve une sortie. Et bah, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est bien quand il y a plusieurs. Plusieurs passages, parce que par exemple si on prend la vallée de la rivière calme, en fait c'est très chiant parce qu'il n'y a qu'un seul passage à chaque fois. Donc bon, au moins on peut explorer, on peut mieux explorer s'il y a deux entrées. En tout cas nous, nous sommes à la cabane, donc nous on venait... Parce que nous, quand on est arrivé hier, enfin au dernier épisode, on est arrivé, je pense qu'on est arrivé genre là par exemple. Quelque part par là, mais il y avait énormément de brouillard, donc on a fait que longer le mur, hein, c'est le plus logique, c'est un peu comme être dans un labyrinthe, hein, faut toujours longer le même mur, et du coup après on s'est retrouvé ici, et on est descendu et on est tombé sur une grotte des plateaux qui était plutôt cool, une très très grande grotte, toute nouvelle, jamais vu une grotte comme ça, donc c'est vraiment bien, puis après on s'est baladé, on est tombé nez à nez avec trois loups, c'était sympa. Et après, on a couru et on est arrivé sur cette cabane. Donc là, cet endroit est plutôt cool. Par contre, il fait encore un peu de nuit. Lit, ok. Donc l'endroit est plutôt sympa, je dois dire. Donc je pense qu'on va pouvoir vivre assez facilement. Par contre, il va falloir qu'on fasse de l'eau, du feu et tout ça. De la viande aussi. J'ai vu qu'il y avait des cerfs. Bon, bah, après, on n'a pas vraiment besoin de cerfs en eux-mêmes. On peut juste aller chasser des loups, ça suffit. Mais on va devoir faire ça aujourd'hui. Ouais, on va devoir faire ça. Ah, attends, y a pas de fenêtre en fait. Je suis en train de me demander, est-ce que j'essaye de trouver la porte ou pas? Est-ce que j'essaye de trouver la porte? Ah, oh, il y a un truc que j'ai complètement oublié de faire. Ah, oh, c'est ça. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que trouver la porte sans les bonnes touches aussi, ça va être chiant. mon Dieu. Donc je suis pas le seul hein, aussi à avoir trouvé le fait qu'il y a un bug déjà. Hein, donc... ranger, c'est ça pour moi. Marche auto, c'est. Qu'il y a un bug avec la mise à jour. État, j'avais mis là. La carte, c'est bon. Équiper l'arme, c'était moi sur le A. Après le jeu, hop. Ah là 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 là. Voilà. Désolé, hein, mais bon, j'ai lancé le jeu et j'ai directement commencé en fait l'épisode. Et oui, mais bon, j'avais oublié que Interland aime bien faire des bugs avec leur mise à jour. Un peu comme Bethesda. Ah, donc ça, c'est un peu chiant, honnêtement, c'est un peu chiant. Ce qui est marrant, c'est que j'en avais parlé sur ma vidéo de mise à jour en disant qu'ils étaient en vacances. Et mais attends, il fait jour, on voit rien toujours, c'est normal là. Oh mon Dieu. En disant qu'ils aimaient bien. Ok, c'est bon. Ils aimaient bien faire des bugs de temps en temps avec leur mise à jour. Et bah, ça a pas loupé. Hein. Donc, directement bug. Directement bug. Trouvé en moins d'une heure, quand même. Je veux pas dire. Enfin, je suis en train de remuer le couteau dans la plaie, mais bon. C'est quand même très, très agaçant, hein, leur problème, à chaque fois. On va faire ça. Voilà, très bien. Ok, donc on va peut-être passer un petit moment autour de la cabane pour le moment. Tout ça pour récupérer des ressources, genre viande et tout ça, tout ce qu'on peut. Et après, on va un peu plus explorer. Mais là, on n'a plus rien en fait. On n'a plus rien. Donc on est, waouh, on est un peu obligé de partir en mode de chasse. On est un tout petit peu obligé. Peut-être qu'il y a beaucoup de brouillard dans cette zone, je suis en train de me dire, parce que ça fait la deuxième fois qu'on a un brouillard très épais en 1 heure, 2 heures peut-être. Donc peut-être que cette zone est propice au brouillard. Je suis
suis en train de me dire. Donc faudra faire gaffe. Je voudrais bien trouver un animal à chasser avant qu'on ait froid par contre. Où est-ce que je vais de quel côté là? Ah, je crois que je vais du côté où il y avait les loups. Ouais. On va faire l'inverse. On va faire l'inverse. On va aller de l'autre côté. L'autre côté, il y avait des cerfs. Il y avait un cerf au moins. Après, on a plein de massettes ici. Donc, à la limite, la nourriture, c'est pas grave. Il faut faire de l'eau, par contre. Donc, on va voir. Si on trouve un animal, on chasse. Sinon, bah, on va faire juste de l'eau. En plus, on a un fait tout. je suis un peu allé regarder le forum de Steam. voir un peu comment les gens se débrouillaient. Alors j'essaie de pas me faire spoiler tout ça, parce que il y a quand même, il y a déjà des gens qui commencent à donner les emplacements des objets et tout ça. Donc, ou alors même de ce qu'il y a genre dans la zone. J'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dans la zone. Mais je regardais en fait comment les gens se débrouillaient. Alors il y a beaucoup de gens qui ont lancé des nouvelles survies directement dans la zone, et apparemment ils sont morts au bout de quelques jours. Ce qui me semble un peu quand même... Enfin, pas étrange, mais bon. Oh, il est là. Mais bon, enfin, c'est... Si on peut sélectionner la zone, ça veut dire qu'on n'est pas en intrus. Donc ça devrait pas être très très difficile. Wow, qu'est-ce que tu me fais? Ah oui, mais ça, c'était le loup de la dernière fois qui était un peu bizarre à chaque fois. Qui tournait à droite, tournait à gauche. On va aller récupérer du bois. Bon, il est un peu en plein milieu. Donc, on va espérer qu'il n'y ait pas de vent. Mais s'il y a du brouillard, à la limite, il n'y aura peut-être pas de vent. Donc, ouais, on va faire un feu en plein milieu, c'est pas grave. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Un peu mal. Mais ça va passer. On va prendre le bois. Hop, on va prendre ça. On va prendre tout le bois pour le moment. On a une bûchette et tout ça. On va pas la prendre. 17. Ouais, donc quoique, peut-être si. Peut-être si. Là, on y va. Donc, les gens ont du mal apparemment. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas trop d'habitations, pas trop d'endroits, on va dire, clés. Ou alors, enfin, après, il faut dire que c'est une nouvelle zone, donc les gens connaissent pas encore. Donc, c'est possible que, bah, du coup, ils se perdent et ils commencent à tourner en rond. Pour moi, je la trouve pas extrêmement compliquée pour le moment, la zone. Ah oui, le fait tout, j'avais oublié le fait tout. Je la trouve pas extrêmement compliquée. C'est vrai qu'elle a l'air grande et tout, mais après, ça a l'air d'être. Pas vraiment trop un labyrinthe, enfin je pense pas. J'imagine que la difficulté c'est les animaux en fait. Ah, il y a beaucoup de loups, il y a beaucoup de choses. Ah, je suis allé tellement vite que je sais même pas si je l'avais pris. Je pense que c'est ça à la limite, les loups en fait, le problème. Par contre les chargements sont beaucoup plus longs. Je sais pas si ça se voit sur le sur l'enregistrement, mais vous voyez la souris en fait qui apparaît. Et ça, ça y était il y a genre quelques mises à jour avant. Et après, ils l'avaient corrigé. Mais maintenant, ils l'ont... Enfin, dans cette zone-là, c'est de retour en fait, ce bug. Donc c'est un peu étrange. Voilà, très bien. Très bien. Après, honnêtement aussi, pour commencer une survie ici, il faut vraiment ou connaître très bien le jeu, ou ne pas connaître du tout le jeu et penser survivre, parce que c'est un peu une zone après le Mont Timberwolf, donc en théorie c'est quand même une zone fin de jeu. Donc commencer par là, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Hein, je dis ça comme ça, hein, c'est peut-être vraiment pas la meilleure des solutions. Par contre, il fait très froid. Ouais, c'est bon.
C'était un loup très très fin quand même. Il y a à peine 3 kilos de viande. Pas vraiment top. Voilà, comme ça on aura de l'eau. Au moins on aura 2 litres d'eau. Attendez. Je pense qu'on va prendre... On va attendre que ce steak se finisse. Oh, quoi que non. On va faire ça. On va prendre les boyaux parce que je pense qu'on va avoir besoin des boyaux pour recoudre nos vêtements. Non. Après la peau on s'en fout. En tout cas pour le loup on s'en fout. Yes, parfait, on va pouvoir explorer un peu. Très bien. Bah attendez. Voilà. On a encore 3 heures de feu, ok, 14 minutes. Alors il nous faudrait autre chose maintenant. On avait vu qu'il y avait un cerf pas loin. Ok, il y a encore un loup là. On va le faire venir. C'est bon. On va le faire venir. C'est bon, tu suis? J'ai l'impression qu'ils ont du mal à suivre ici. On va pas marcher dans le feu. Je sais pas trop comment il va réagir avec le feu en plein milieu comme ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je pensais qu'il allait un peu plus s'approcher quand même. Avant d'avoir peur. Il est où? Il est là. Attendez, peut-être qu'on peut le prendre en embuscade comme ça, non? Je sais plus vraiment si les loups s'arrêtent de temps en temps. Je me souviens plus vraiment. Oh, il y a un grand chemin là-bas. Intéressant. Après, là-bas, on avait vu la petite cascade. Voilà. Très bien. Donc déjà ça fait une flèche en moins, c'est bien. Ça fait déjà une flèche de perdu. Il va falloir qu'on trouve des bois à faire sécher. Hein. Il va falloir trouver plein de bois pour faire des flèches. Enfin plein. Pas vraiment, mais vu qu'on a un établi et qu'on a un bon emplacement, ça serait bien d'en trouver. Alors, 23 minutes. Qu'est-ce qu'on fait?
On va poser un peu l'eau. On va la prendre après. Ah oui, merde, mais on a rien d'autre à... J'avais oublié. On a rien d'autre à faire cuire. Il est déjà fini le loup. Donc là, il y a le pont. Il y en a deux de ponts ou un seul? Je me souviens plus. Non, oui, ici, si, deux. Ok, d'accord. Donc un là. Putain, ça... C'est haut quand même. Et après là-bas. On va faire ça. On n'avait pas vraiment, vraiment besoin d'utiliser le couteau, mais... On a perdu quoi en pourcentage? Rien. Ça va. Ça va. It's so cold. I just wanna lay down for a bit. On a toujours cette sorte de carré bizarre. Je sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a pas encore, il n'y a pas assez de vent pour nous souffler le feu, c'est bien. Je sais toujours pas ce que c'est ce truc. Ah, ça a disparu. Ah non, si, c'est encore là. J'sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être un cadavre qui vole, j'en sais rien. Ça n'a pas de sens. Je sais pas ce que c'est. Un petit bug. C'est pas grave. Alors, ça... les vêtements, il n'y a pas besoin de les retoucher. Ouais, il fait froid en fait, je sais pas trop quoi faire. Un truc que j'ai remarqué, on n'a pas trouvé de... On n'a pas vraiment trouvé de Raichi et tout ça. Donc je suis en train de me demander, est-ce que peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup en fait dans cette région au final? Parce que normalement il y en a partout dans toutes les régions honnêtement. Hein. On peut même vivre avec ça hein, facilement. Mais j'avoue que là, on n'a pas trouvé. Donc c'est... Peut-être c'est un peu chiant. Parce que c'est pratique en fait pour se réchauffer, c'est pour ça que je le laisse là lui. On va pouvoir se réchauffer avec. Où est-ce qu'on pourrait aller le temps que ça cuise? 26 minutes, 19. On va voir là-bas. Je voudrais voir si on peut aller... Oui, je sais, je sais. Je voudrais voir si on peut monter en fait. Oui, on peut monter apparemment. Donc oui, tout ça pour dire que les gens ont l'air d'avoir du mal hein, aussi. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont encore du mal avec The Long Dark. Pourtant, ça fait un moment qu'il est sorti. Je suis sûr qu'on peut trouver des milliards de vidéos sur YouTube disant « Faut faire ça, ça et ça !» les meilleurs vêtements, c'est ça, ça et ça. Je suis sûr qu'on peut trouver ça facilement. C'est quoi ça? Non, c'est juste le tronc d'arbre. Ah, ok, il y a un passage là. J'aime beaucoup le... Le visuel, en fait, de cette zone-là. Vraiment très stylé. Hmm.
Ok. Donc on a pas mal d'endroits à visiter, ok, c'est super grand. C'est super méga grand. Je sais vraiment pas trop comment on va se débrouiller, mais... On va devoir faire des grands périples, hein. Parce que ça a l'air d'être assez grand. On va prendre le plus de bois possible. On va aussi récupérer des torches du coup. Avec le feu qu'on a fait. Après le temps, moins 14, ouais ça va. Bon, après faut dire qu'encore une fois qu'on a les meilleurs vêtements possibles. Mais ça va, c'est pas extrêmement froid. Donc je suis assez content de ça. Ah, très bien. Ah, j'aurais pas dû boire. J'ai complètement oublié que j'avais ça qui chauffait. J'ai envie de voir là-bas. J'ai envie de me balader, moi. Ah tiens, on va dessiner aussi. On va en profiter. Ah, très bien. Alors. Ok. Donc on a vu qu'il y avait un passage par là-bas et un passage par là. Alors je dirais qu'on devrait peut-être aller sur ce côté-là. Parce qu'en théorie, on va être sûrement en bordure de région. Donc c'est possible que... Enfin, que ça soit pas un labyrinthe, vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'ai pas vraiment envie de me lancer dans un labyrinthe. Donc je pense qu'on va aller du côté droit. Peut-être qu'on trouvera une grotte qu'on pourra monter. Parce que j'imagine que pour aller sur ces ponts-là, parce qu'ils sont extrêmement hauts, donc je serais étonné que ça soit des cordes, honnêtement. Je dirais plutôt des galeries. Parce que ça parlait de mines. Sur le message qu'on a trouvé la dernière fois. Donc, Ouais. Je dirais des galeries, moi, personnellement. Bon, après, s'il y a des cordes, bah, il y a des cordes, quoi. On se débrouillera, mais... Mais pour le moment, je veux trouver des mines, moi. Je veux trouver des mines, des grottes, des choses comme ça. On a encore 2 heures de feu. On peut aller prendre un dernier steak. On peut aller prendre un petit dernier steak. Et ça nous fera notre petite réserve. Ouais, je pense qu'elle est là, moi. Je pense vraiment qu'elle est là. On a le temps de prendre un boyau. Voilà, très bien. On va passer la nuit hein, et après le lendemain on ira à la chasse. Enfin à la chasse. À l'exploration plutôt. Boy. Non, c'est juste le vent. C'est juste le vent, tout va bien.
Bah du coup on n'a pas besoin. Si on rentre maintenant, ce qui va faire nuit, on va rentrer maintenant. On va pas prendre le thé. On n'a pas besoin de le boire. Ok, alors. Quatre minutes, très bien. Cuire 10 minutes. Ah, le temps est plus cool maintenant. Je pense pas qu'on va avoir vraiment des problèmes pour se déplacer. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Parce que j'avais vraiment peur de ça, moi, en fait. D'avoir une zone, genre extrêmement chiante avec des tempêtes tout le temps. Mais je pense qu'on est bon. Je pense qu'on va pouvoir se balader facilement. Faut juste pas qu'il y ait de vent en fait, tout simplement. Très bien. Ok, on va encore faire cuire quelques thés pour en avoir de côté. Et après on va rentrer, on va dormir. J'en ai combien en réserve? 2 et 2. Très bien. J'ai envie de dire, on peut un peu aller voir vite fait. Après, c'est un peu bête de faire ça avec le thé qui est en train de bouillir, parce que sinon il va brûler. Mais vu qu'il fait pas vraiment froid. Bon, on les prendra après le reste, quand on reviendra. On a des baies, c'est déjà bien. Il est où le pont? Ok, on est juste en dessous du pont. Donc il faudrait voir s'il n'y a pas une grotte ou un système pour monter. J'entends des loups. Il y a l'air d'avoir des massettes un peu partout. Donc je me dis qu'à la limite, ça aussi... On va pas vraiment avoir besoin de chasser ou quoi que ce soit. On va surtout bouffer des massettes en fait. Est-ce qu'on peut... Attends. Voilà. Ok, très bien. Il a eu peur, le loup. Il a pas eu peur de moi, il a eu peur d'autre chose. Il y a sûrement quelque chose là-bas. Intéressant. Ça a l'air d'être super grand. Ça a l'air d'être super grand. Ah, il a pas eu peur de moi parce qu'on était trop loin, donc il m'a pas flairé. Il a eu peur de un ours ou un élan ou je sais pas, quelque chose. Peut-être le Dark Walker. Je sais pas vraiment. Je pense qu'on a perdu le thé. Oh. C'est juste un renfoncement en fait. Ça marche. C'est pas vraiment une grotte.
Par contre, une chose dangereuse, s'il n'y a que des grottes comme ça, sans... Enfin, comment dire, excusez-moi. Sans renfoncement, où il fait chaud, ça peut être dangereux. Si vraiment, genre par exemple, on se tape un blizzard ou une tempête ou un truc comme ça, ça peut être dangereux du coup. Donc faudra faire attention à ça. Eh merde. Ah, bien joué. Bien joué. I'm not sure I can carry much more. Très bien. 3 et 3, très bien. Ah, on a encore 26 minutes. Oh, d'accord. Ça devrait disparaître. Ah, quoi que non, même pas. C'est embêtant, maintenant on l'a créé. On l'a créé, il y a 0.2 ou 0.02 d'eau impropre. On va rentrer. Ramasser, on a 46 kilos, c'est énorme. Mais du coup, j'ai pas pris de torche en fait. J'essaye de la fatiguer en fait, c'est pour ça que je sprint. Hein. Comme ça on passe la nuit et on se réveille le matin. Oh, une chose aussi que j'ai remarqué. Vous vous rappelez que quand il y a eu l'événement du Dark Walker, on pouvait débloquer en fait un insigne qu'on peut utiliser pour le personnage. Genre, je vais le montrer, on va mettre pause deux secondes. Genre ça, les insignes sur en bas à gauche là. Et donc... vous débloquez celui du Dark Walker qui vous permet d'avoir un peu plus d'endurance pendant la nuit et moins dans le jour. Enfin voilà, comme ça vous pouvez vivre la nuit en gros. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enlevé. Ils l'ont complètement enlevé en fait avec cette mise à jour. Enfin, ils l'ont enlevé, ils vous l'ont enlevé. Il est toujours dans le jeu. Mais maintenant il faut faire le défi du Dark Walker pour le récupérer. Alors que tous ceux qui ont fait le défi donc de Halloween, du Dark Walker de Halloween, quand on l'a débloqué, bah maintenant on l'a plus débloqué, il est rebloqué. Ça par contre c'est un peu... J'ai envie de dire que ça fait un peu pute hein, de faire ça, parce que je l'ai mérité quoi mon truc. Moi j'ai fait les 10 notes et tout ça, je l'ai mérité. Mais maintenant j'ai remarqué qu'il était rebloqué. Je l'ai pas... C'est comme si j'avais jamais fait l'événement d'Halloween. Donc ça, je trouve ça un peu dégueulasse d'avoir fait ça, en fait. Tout ça parce qu'ils l'ont rajouté, en fait, en défi. Mais bon, c'est... Enfin, laissez-le pour les gens qui ont fait le défi d'Halloween, quoi. Je vois pas pourquoi... Je vois pas pourquoi on l'enlève, en fait. C'est comme si on me disait, tiens, t'as gagné un truc, puis après, deux semaines après, on l'enlève, quoi. Enfin, je sais pas. Un peu étrange leur système. Après peut-être que c'était plus simple pour coder le jeu en fait. Vu qu'il a été rajouté en défi. Et j'en sais rien, mais peut-être que le jeu... c'est plus facile pour de dire au jeu que vu que le défi a pas été fait, bah, vous avez pas la récompense. Mais ouais, ça reste un peu con hein, honnêtement. Ça reste... J'ai cru entendre quelque chose. Ah, ça reste un peu con leur système, je trouve. C'est un peu déçu de ce côté-là, encore une fois, de Interland. Alors, par contre, on a plein d'eau. Enfin, plein d'eau. On va la mettre là, l'eau. Encore une fois, à chaque fois, je le répète tout le temps, hein, les gens peut-être
Oui, mais tu arrêtes pas de te plaindre et tout ça. Non, c'est pas me plaindre, c'est dire la vérité. C'est comme quand j'ai fait ma petite vidéo sur... En expliquant les nouveautés, j'ai dit que il pourrait avoir des bugs, parce que c'est Interland, j'ai l'habitude, ça va faire plusieurs années que je joue à leur jeu. Et c'est pour ça que des fois je les appelle Intersda. Bref. Et au final, ben, on a trouvé un bug au bout d'une heure. Avec les touches qui sont réinitialisées tout le temps. Donc ouais, c'est pas me plaindre, c'est juste dire la vérité. Hein. Faut dire ce qui est, hein, de temps en temps. C'est chiant, c'est quand même un peu chiant. Je crois qu'on va laisser un peu des massettes. Le mieux, ça serait de... Je sais pas trop. Ce que je suis en train de réfléchir, en fait, quand on va partir un peu à l'aventure, pour qu'on soit pas très très lourd. Pour qu'on soit pas extrêmement lourd. On va faire ça. Peut-être à la limite ça on va l'enlever. Parce que ça c'est pas des choses qu'on va créer. En fait on va les crafter si vraiment on en a besoin. On va les boire en fait si on en a besoin, c'est pour récupérer de la vie. Donc on va pas en boire juste pour se réchauffer. Par contre, les Raichi et les baies là, ça oui, ça on le boit pour se réchauffer. Donc c'est du gaspillage dans un sens, parce qu'on récupère pas le soin, mais... Mais ça, on le prend. Donc on en fait un peu plus. Donc voilà, ce qui nous manque là maintenant, c'est juste le sac de couchage, on est d'accord. On va peut-être même poser un truc. Un flair. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon après, tous les outils, on les prend, parce qu'on sait pas trop ce qu'on va trouver. J'imagine qu'on va pas trouver de casier, parce que ça a l'air d'être une zone sans vraiment de... de bâtiments humains, quoi, donc ça m'étonnerait qu'on trouve des casiers, mais on va quand même le garder. Le pied de biche. Si on trouve... Ah, par contre, si on trouve des puits pour pêcher, on pourra le casser avec le pied de biche. Là, on est bon, on va dormir, je crois. Ouais, il y aura juste le sac de couchage à prendre. Ça fera 34... On est en dessous des 35 kilos, ce qui est très très bien. Donc ça, plus de l'eau et plus de la nourriture, et on est bon. Ouais, on est nickel, on est nickel. On va dormir le plus possible. Donc, je sais pas vraiment... On va passer par où j'ai montré, avec les loups là qui ont eu peur de quelque chose. On va passer par le feu aussi, parce que je veux récupérer des charbons pour dessiner. Oh mon dieu. Quitter la cabane, ok. Par contre, il me faudrait de l'eau, en fait. Merde. Attends, si la cabane, elle est là. Pouf, ça fait chier. Ah. Trop bien de faire ça. On va regarder un peu le temps. Ouais, les temps de chargement sont beaucoup plus longs ici. Alors, on a une petite tempête de nuit. Moins 21. D'accord, d'accord. Ça marche. Il y a plein de bruit. J'aime bien des fois manger à l'extérieur pour écouter les bruits en fait du vent. Ce qu'ils ont mis, genre ça grince et tout ça. Hop. Bon, le lit, je le trouve facilement maintenant, ça va.
Ce qui est bête, c'est qu'il y a vraiment aucune fenêtre en fait pour se repérer. Ça, c'est vraiment chiant. Je vois toujours rien. Là, on voit toujours rien. On voit toujours rien, c'est bien. Non mais t'es sérieux là? Ok. Ça c'est embêtant par contre, hein. Le fait qu'on doive attendre en fait aussi longtemps pour voir quelque chose dans la cabane, c'est extrêmement frustrant. Ok, on est bon, on peut partir. On peut y aller. On va prendre un steak sur nous. On est bon, allez, go à l'aventure. C'est parti, on a tout, hein. On n'a rien oublié. On a de l'eau, de la nourriture, les flèches, le sac. Ouais, non, non, on a tout, on a tout. Ok, let's go. On va un peu sprinter. Parce qu'il fait un tout petit peu froid. Neuf, très bien. Donc on va aller sur le côté droit. On va regarder si on peut remonter parce que j'ai pas vraiment trop fait attention au chemin. Donc si jamais on peut pas remonter, par contre on n'y va pas. Mais on va commencer à s'aventurer un peu plus loin à chaque fois. Commencer à cartographier en fait. Donc là, on a le pont. Donc, pour le moment, aucun signe de corde, de grotte, rien. Il n'y a aucun moyen pour le moment pour monter. Alors après, c'est vrai qu'on était plutôt en hauteur quand on était quand on est arrivé dans la zone. Alors peut-être qu'il faudrait retourner sur nos pas. On verra. Alors par contre là ça va être un peu la galère, il y a beaucoup de loups. Bon ça va, on peut remonter facilement. Ok, ça fait deux. Bien. Ouais, qu'il arrête d'avoir peur. C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est un élan. C'est un élan. On a pas froid. Très bien. Parfait, 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 parfait. Donc, vous voyez que des fois, on va dire genre... Scruter les environs, regarder un peu la faune, la flore et tout ça. On a bien vu que les loups avaient peur de quelque chose. Donc on a trouvé quoi? Et c'est un élan. Ouh, on a un bon emplacement là. Oh, on peut pas monter, mince. Mince, je pensais qu'on pouvait monter là, mais non. Okay, très bien.
C'est vrai qu'il fait nuit. Moins 9. On va se réchauffer. On va faire un feu entre les loups. Et après, on va un peu plus explorer là-bas. Et ça m'intrigue en fait que ça soit aussi grand. Ça m'intrigue un peu. Voilà, très bien. Moins 9, on a assez de bois pour se réchauffer, ça va. Enfin, quoique. Quoique. Ça. Ah, très bien. On va aller récupérer un peu plus de bois. Par contre, faut faire attention de ne pas se faire choper par le par l'élan. L'élan, honnêtement, on s'en fout. On n'a pas besoin de la peau. Il est où? Il est là. On n'a pas besoin de la peau, on n'a pas besoin... Les boyaux, on peut facilement les récupérer. La viande, on n'en a pas besoin non plus. Vraiment. Mon dieu, mais c'est... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Allô? C'est quoi ça là-bas? Une maison? Ok, il y a une maison. On va se mettre là. Il y a une maison détruite. Oh, trou de pêche. Ok. Qu'est-ce qu'on a laissé cuire là-bas? Ah oui, des steaks. Qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir là-bas. On va prendre une torche et on va avancer. On va aller au trou de la maison là-bas. Enfin, le trou de pêche. Ça a l'air d'être détruit par contre, donc je pense pas que ça va vraiment nous protéger de grand-chose. Mais bon, au moins... On verra, on pourra un peu plus avancer. Bon, si jamais on a besoin d'énormément de nourriture, on sait où venir. On a un gros élan. Non, ça va. Et on a des bons endroits en fait pour l'attaquer. Genre, on pourrait se mettre là, commencer à tirer des flèches. L'autre côté, pareil. Ça va. On a des bons placements en fait pour pouvoir se le faire. Donc ça, je suis content.
so cold. Ça, je suis plutôt content. Encore une heure de feu. Attendez, on va faire ça, comme ça, ça évite de taper dans les réserves en fait. Raichi ? Ouais. Très bien. Non. Allez, go. On va passer par le côté gauche, côté droit, pardon, pour voir un peu plus de la map, tout simplement. Voir s'il n'y a pas autre chose. Alors par contre, on a un steak en plus sur nous, donc on a un steak cru même. Donc on risque de se faire flairer de loin par les loups. Peut-être, c'est peut-être pas une méga bonne idée en fait de faire ça. Mais on a une torche. Mais on a une torche. Corbeau là-bas, intéressant. Je vois pas le corbeau, par contre. On va poser ça là. Ok, très bien. Je l'ai déposé, comme ça on n'a pas l'odeur. Parce que je crois que les objets, ça aussi c'est une mécanique qu'ils pourraient rajouter. Je crois que si on pose les morceaux de viande crue par terre, en fait ils dégagent pas d'odeur. Mais quand on les ramasse, après d'un coup ils dégagent une odeur quoi. C'est comme ça qu'on se fait courser par les loups et tout ça. Mais c'est vrai que de même en fait l'objet ne le fait pas. Ouh, des bâtiments. Ouais, c'est tout détruit. C'est bien, on avance bien. Moi, je suis content, moi, c'est vraiment ça que j'avais vraiment peur que la zone soit extrêmement chiante pour se déplacer et tout ça. Mais en fait, ça va. Ça reste potable, en fait. C'est pas facile, mais c'est pas... C'est pas chiant comme la vallée charmante. Ah, je suis vraiment content de ça. C'est quoi ça là-bas? Un loup? Non. On va encore ça s'engouffrer là-bas. Hein, on va voir. Hein, mais ça, c'est méga grand. Hein. Oh, regardez là. C'est quoi? C'est une catapulte? Non. Ok.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est pas une catapulte. Oh, il y a une corde là. Enfin, il y a une corde. Il y a un rocher pour corde. Ça, c'est un rocher pour corde. Oh, il y a une maison aussi. D'accord, ok. Donc, il y a un passage. Enfin, il y a un passage. Y a... Oh, cool. Donne ça. Non. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai appuyé deux fois trop vite, en fait. Trop de pêche sur glace. Par contre, il fait quand même froid ici. On va... Oh! Le charbon, on va le prendre. On est à combien? 41 kilos. Alors, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a un moyen de monter? J'imagine que non. Je suis sûr qu'il n'y a pas de moyen de monter. Il faut... C'est ou par la corde, en fait. C'est que par la corde pour monter. Et pour accéder en hauteur, je suis sûr qu'il faut faire tout un détour. Là, c'est un éboulement, on passera pas. Je suis sûr qu'il faut faire tout un détour pour y accéder. À moins que ça soit un passage qu'on n'ait pas vu. Mais ça m'étonnerait. On est d'accord qu'il n'y avait pas de corde. Hein. Oh, là, il y a une corde en plus. Ok. Il y a une corde encore pour monter. Ah, peut-être qu'on a trouvé un moyen, en fait, de monter au niveau des ponts. Ah, on a peut-être trouvé un moyen. Donc là, on pourrait pêcher. Donc en gros, on pourrait... Je pense que ça, c'est une maison fermée. Ouais, j'ai l'impression. Donc on pourrait vivre là-haut. On met une corde ici. Et on peut descendre pêcher, en fait. Je crois que c'est ça, en fait, l'idée. L'idée de cet endroit. J'ai l'impression qu'il y a un passage sur la droite. Ou alors il faut complètement... Oh, on est bloqué. Il faut complètement en fait passer par le haut et descendre sur la maison. Peut-être. Bon là par contre si c'est ça, c'est un peu relou quoi. Ah, j'ai vu qu'il y avait un cerf. On va juste dessiner. Très bien. Ouais, on est en bordure, donc on va pas pouvoir dessiner plus que ça. J'ai vu qu'il y avait un cerf, donc en théorie, il n'y a pas de loup. Ouais, il est là-bas. Faut qu'on trouve un endroit pour se réchauffer. Faut qu'on trouve un endroit pour s'abriter. Et après, on fait un feu et tout ça. Peut-être même passer la nuit. Même passer la nuit, je dirais. J'ai pas vraiment envie de passer la nuit... dans la cabane détruite, là. Je voudrais bien trouver un autre endroit. Pas l'air d'avoir grand-chose. À la limite, on peut, hein. À la limite, on peut revenir...
On sera protégé du vent au moins. Mais ouais, je voudrais bien un vrai endroit. Donne-moi des grottes. Il n'y a pas de grottes ici? Là-bas, c'est un chemin, ça. On va pas prendre tous les champignons qu'on voit, parce que sinon, on va passer 3 heures. On a déjà froid. Ça, c'est un chemin, ça. C'est quoi cette... Ah, c'est de l'ombre. Je me suis allé dire, c'est quoi cette texture? Pardon, pardon, pardon. Peut-être une grotte derrière. On va d'abord regarder là. On perd un peu de vie, je sais, mais... c'est pour cartographier le plus possible et tout. Bon, on a des baies, on a des champignons un peu. Pas énormément, mais on en a trouvé. Où est-ce qu'on va? Ah, on pourrait dormir là. On pourrait complètement dormir ici. C'est complètement bloqué là du vent et tout. Très bien. Quitter le canyon des cendres. Ah, peut-être qu'on a trouvé une nouvelle zone. Pas une nouvelle zone, une nouvelle sortie. Mont Timberwolf région, on est où? On est où? Ravin aux échos. Dessiner. Ok, c'est là alors. Ça fait loin de la grotte ou pas? Ça fait un peu loin, non? Je crois savoir. Yeah, oh, ça va, c'est bon, on a plus froid. Ah, il fait bon, mon Timberwolf. La blague. Il fait bon, mon Timberwolf. Donc là, on est en train... Ah, voilà, Ravin des Échos. Parce qu'en fait, c'est... Je pensais qu'on était encore là, mais non, en fait, on est déjà là. Donc on a la grotte juste ici. C'est pour ça, parce que ça me rappelle quelque chose, cette montée. Donc, par contre, il y a des loups, des fois. Normalement, on a la grotte juste à droite. Si je dis pas de bêtises. Oh merde. Mal placé.
chier. Bon, c'est pas des... c'est pas un loup, c'est un ours. Ah, là, on risque rien. Attends, c'est ça d'abord. Ah, ça tombe mal, hein, le coup de l'ours. Ça tombe un tout petit peu mal. Est-ce qu'on est vraiment là où je pense? Est-ce qu'on est là ou est-ce qu'on est là? Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas froid. Bon, tu nous fais chier, Winnie. Très bien. Ah, il va falloir le tuer si on veut passer la nuit ici. Il va falloir le tuer. Si on veut passer la nuit ici. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va rentrer. On va rentrer à la cabane qui est pas très loin. C'est le plus safe, parce qu'on a, perdu quand même beaucoup de vie. C'est le plus safe de faire ça. C'est le plus raisonnable, on va dire. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que j'ai fait exprès de rater l'ours ou pas? À vous de voir. À vous de voir. On a trouvé la deuxième entrée en tout cas. Donc c'est bien, on n'a pas besoin de prendre de cordes, donc on va pouvoir y aller charger si on veut. Bon, le problème c'est qu'on doit passer un ours. On a eu pire. Hein. Mais l'endroit était vraiment aride. Hein. Il n'y avait pas grand chose. Hein. Il y avait des genre une cabane de pêche détruite. Une maison complètement détruite aussi. Après, on a vu en hauteur, mais faut vraiment... Ah, je suis en train de me dire, peut-être qu'on peut prendre la corde. Peut-être qu'on devrait prendre la corde. Qu'on a dans la boîte. Je crois qu'on a dans la réserve, on a une corde. Très bien. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on prend la lampe avec nous? Ouais, on a une corde. Putain, c'est 10 kilos la corde quand même. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre la corde ou pas. Parce qu'on sait pas en fait si on va en trouver une. Donc pour éviter les allers-retours, j'ai envie de dire pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas en prendre une? Qu'est-ce qu'on aurait à jeter?
On peut prendre du bois aussi. Ça aussi, c'est bien. Si on a une bonne réserve de bois. On a un peu de charbon. Très bien. Bon, bah, je suis content. Bon, on a bien fait, honnêtement. On a très bien fait de... de faire cette petite expédition-là. On a trouvé pas mal de choses. Pas mal de choses intéressantes. On a bien cartographié. Donc la lampe, elle a zéro. Ouais, la lampe, on va peut-être la garder sur nous. Vêtements. Peut-être réparer ça vite fait. Ah ouais, le nécessaire de couture. Oui, on l'a pas du coup. Là, on n'en a pas non plus. Donc du coup, on va faire ça. Fabrique un matériel de pêche, hein, c'est pas grave. La vidéo va être longue du coup, hein. Je suis un peu désolé. Mais... voilà. Parce que ça, il faut vraiment pas que ça casse. Ah, très bien. Oui, je crois qu'on peut se débrouiller comme ça. Et on utilise les massettes pour manger. On prend la corde, ça va nous faire 10 kilos. On sera à 43. Ça va faire 46, 45. On va manger ça. Ça fera 45 kilos sur nous. Ouais. Je dirais pas non pour prendre la corde, moi. Je dirais vraiment pas non. J'ai envie de prendre la lampe aussi parce qu'on va sûrement... Si on trouve des grottes, genre si on trouve les mines, ça va être quand même beaucoup mieux que d'avoir des torches, ça c'est sûr. Et vu qu'on a un passage maintenant sans cordes, c'est quand même pratique en fait. Bon, on va dormir, ça va être la fin de notre épisode. Bah ouais, on a bien avancé, on a fait une grande partie, on a découvert pas mal de choses intéressantes, des cordes, des endroits où on pourrait se reposer et tout ça. Vraiment très content. La zone est cool, la zone est très très cool. On a une petite peur avec Winnie là, mais ça va. On a encore 20 flèches en tout, c'est bien. Donc on va dormir, on va essayer de récupérer le plus de vie possible. Peut-être même je vais attendre d'être complètement à fond pour pouvoir repartir. À la limite on pourrait peut-être faire ça. On prend une tisane. On a combien ? Ouais, non, ça ira. Pas besoin. Allez. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.